On a trouvé un lieu pour habiter et ce lieu ne correspond pas du tout à ce que doit vivre l'humain, à son handicap. Donc on va transformer ce lieu plutôt que de partir et d'essayer de trouver quelque chose. Parce qu'on avait bien compris, il fallait du plein pied, pas d'obstacles, etc. Ben nous, on va le faire, ça. Et de faire en sorte que cette maison puisse nous accueillir tel que nous sommes. Et qu'elle ne nous rejette pas, quoi. Ce combat, en fait, pour moi, ça a permis quand même d'avoir un but, de mobiliser mon énergie sur un objectif précis. Et pour tenir le coup, en fait. Donc j'ai mis toute mon énergie dans ce combat pour l'accessibilité, à l'école et également à la maison, pour l'aménagement de la maison. Au départ, j'étais pas du tout bricoleur, hein. Moi je suis musicien. J'aimais pas du tout les problématiques du bricolage, il faut se poser plein de questions, trouver des solutions. Et petit à petit, je m'y suis mis, d'abord pour la décoration dans l'appartement qu'on occupait au départ, et puis ensuite pour l'aménagement de cette maison. Voilà, je me suis équipé, j'ai posé des questions à droite à gauche, et puis je me suis lancé dans les travaux. Voilà. Il y a 2-3 mois, Fabrice est tombé d'un échafaudage, enfin d'une échelle, puisqu'il participe très très activement à l'aménagement de la maison, il s'est cassé la jambe. Et donc tout ce que nous faisions à deux, j'ai dû le faire toute seule. Et ça a été aussi très dur, très lourd. Donc nous avons monté une tente dans le salon pour que Lubin puisse y dormir. Parce que je ne pouvais pas le porter, c'était trop dur. Mais au bout de 2 semaines, Lubin ne supportait plus de dormir sous la tente. Donc on a changé, on a proposé à l'une de ses sœurs de venir dormir avec lui. Ce qui n'était pas facile, parce qu'il y avait école, etc. Donc je me suis bien reposée, puis finalement j'ai eu à nouveau la force de le monter dans sa chambre quotidiennement. Donc ça a été un moment très très pénible. Vraiment, je ne me suis pas découragée, j'ai pas été découragée, mais j'étais très en colère. Vraiment très très en colère. Et à un moment, donc j'en ai eu vraiment... assez quoi, des conséquences du handicap et de la maladie, c'est-à-dire que Fabrice ne se serait pas cassé la jambe s'il n'avait pas dû monter sur une échelle, s'il n'avait pas dû faire du faux plafond, si on n'avait pas dû aménager la maison, si Lubin n'était pas handicapé, s'il n'avait pas eu cette maladie. Et je me suis dit, bon, on ne va pas raisonner comme ça, parce que sinon on envoie tout valser, et voilà, faut essayer d'être un peu plus positif, hein.